moi, chaque année, chaque fois, j'ai l'impression que c'est le premier, que c'est quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que c'est l'occasion de travailler et d'aller plus loin dans nos relations. Je disais ce matin, par exemple, la semaine dernière, c'est une des premières fois où j'ai participé à une commission éducative au sein de l'école Jean Moulin pour des enfants du quartier. Toujours deux axes, la santé et la citoyenneté. Pour les enfants, ça concerne des animations qu'ils ont dans leur classe avec des intervenants, ou bien des visites qu'ils vont faire au collège pour voir des expositions. Donc ça permet une liaison maternelle, primaire, collège et maison de quartier. Alors vous l'appelez la beuh, vous l'appelez ce que vous voulez, le shit. Le shit c'est un bon nom, hein. Ça veut dire que ça veut dire, c'est ben de la merde. Hein. Pour arriver à un kilo de cannabis, de la plaquette, eh ben, on y met de la merde, on y met de la merde de chameau. La mer de chameau, on y met. Là récemment on a trouvé même des morceaux de verre, des verres pilés. Ça fait du poids. Est-ce qu'on t'a déjà manqué de respect? Non, je sais. Jamais? Quand ils se prennent, ça jamais manqué de respect. Parce que moi je manque pas de respect. Et je leur dis pas des trucs qui les blessent. Ne pas se préparer. Ne pas se. Et avant? Et de ne pas avec les autres. Donc aujourd'hui, dans le cadre du forum, nous avons été invités pour vous présenter ce film qui s'appelle La vie autrement, qui a été créé, on va dire, à l'initiative de l'association des familles de l'humanité crânienne. Pour l'instant, vous êtes des valides. Hein. Qui que vous soyez, garçon, fille, différents Français, vous êtes tous valides, vous êtes tous des frères. Voilà. Moi, ce qui m'est arrivé, donc lorsque j'avais 16 ans, bon, de l'âge de 14 à 16 ans, j'étais le battant, un peu le calu, quoi, de la bande, voilà, chef de bande, ceci, cela. Puis, donc, un week-end, j'ai un peu trop bu, un peu trop fumé. Puis, je me suis fait faucher par une voiture. Le casque est parti en avant, vu que la sangle n'était pas attachée, le casque a tourné autour de ma tête, voilà, ça m'a tranché la carotide. Toute autre plainte qui vous concerne, ce sont les parents. Oui, mademoiselle. Sinon, on lui dit à la maîtresse. Tout à fait. Et j'allais revenir à ça. De quelle manière vous pouvez saisir la justice? Eh bien, justement, ça commence en le disant à la maîtresse, en le disant à l'assistante sociale, à l'infirmière, vos grands-parents, toute personne en qui vous avez vraiment confiance. Vous les amis, bien sûr. Toute personne en qui vous avez vraiment confiance et qui peut vous aider. Mais sachez qu'il faut jamais, que ça dure. Je vous parle au nom de Kélisson Oman parce qu'il est jeune comme moi, parce qu'il a une mère, des parents, des amis qu'il aime et qu'il est en prison injustement. Vous ne l'avez jamais vu, monsieur le président, et son sort dépend de vous. C'est pourquoi je vous parle. Amnesty International, c'est une association qui défend les droits humains, conformément à la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Alors quand on dit homme, c'est les humains, hein. Et ça veut dire que c'est les hommes, les femmes et les enfants. En anglais, c'est plus facile, on dit human rights. Et c'est pourquoi je vous demande, monsieur le président, de libérer Kim Song-man. Je sais qu'il est difficile. Essayez d'imaginer le débat qu'il y a eu à l'époque, c'est fondamental pour l'école. Le socialisme, selon Jaurès, n'est que l'approfondissement de l'idéal républicain, l'application à la propriété de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sur la séparation, le grand tribun a d'abord étonné en gardant le silence. Partisan de la laïcité, Jaurès n'est pas pour autant fermé aux idées religieuses.
Ses propres amis en 1901 avaient d'ailleurs été scandalisés d'apprendre que sa fille Madeleine avait fait sa première communion. Quand j'ai peur, je suis noire. Toi? Quand j'ai peur, je deviens vert. Vert de peur. Et tu m'appelles homme de couleur? Bon voilà, vous avez vu la première partie, hein, la partie sur le tabac. On verra tout à l'heure la deuxième partie sur le cannabis. Et dans un premier temps, on va discuter ensemble par rapport à ce tabac. Hein. Alors pour vous, est-ce que le tabac c'est une drogue? À haute concentration, le cannabis provoque fatigue, dépression, difficulté de concentration, altération de la mémoire. Ces troubles disparaissent à l'arrêt de la consommation, mais il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour que le THC soit complètement éliminé de l'organisme. On a le kilojoule qui est l'unité internationale, et nous en France, on a kilocalories. On a trop d'énergie que l'on va stocker, et ça va provoquer quoi? Le surpoids, voilà. Donc si en plus, on ne fait pas de sport, et ça, on veut le garder. L'agresseur, il sait très bien ce qu'il fait. Il n'a pas pris les escaliers, hein. Il est parti dans l'ascenseur. Donc il a appuyé à quel étage, comme par hasard? Le dernier. Au dernier, pour avoir le temps. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque. Et le petit garçon, il s'en rend compte. On est jeune, hein. Il n'y a pas de souci de mettre des jeunes enfants dans le bain. Là, le grand garçon, il a 15 ans et en plus, il la touche. Et elle le ressent comment, cette petite? Ça la gêne. Ben c'est normal qu'elle commence à devenir presque adolescente. Ton frère, il t'en met toujours? Non, c'est fini. J'en ai parlé à ma maman et depuis, il ne recommence plus. Ben, tu vois, il suffisait de le dire. Mais de l'eau qui a été transformée, pourquoi? De cacao, on peut entendre l'étrange tempo. Bon, alors on a dit la rivière, on a dit le fleuve, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le robinet. Conserve bien le tempo, pirogué du Congo, conserve bien le tempo. Dans des canaux? Oui, les canaux. Alors, les canaux? Des canaux. Un canal, des canaux. Des canaux, on en a dans le coin, nous. Hein. On a même beaucoup. Allez, venez. Et oui, parce que c'est vrai qu'il y a... Je le prends, le pénis. Je le tourne, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je fais? Je le tourne. Je le tourne, je le mets là. Hein. Pas de problème, tout va bien. Et la fille, comme un zèbre. Si on est à l'envers. Pourquoi est-ce que la fille peut tomber enceinte? Il peut éclater sur la côté. On a toujours, quand on est en érection, une petite trace de sperme. Ah. En haut du gland, à l'entrée du canal de l'urètre. Hein, on a oui, c'est chose. Hein. Il y a toujours une trace qui est là. Donc si je le pose là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, j'en mets, tu je vais en mettre dessus. Donc qu'est-ce que je fais? Je le tourne. Et là, c'est d'avoir problème pour qu'une fille tombe enceinte. Donc raison de plus pour prendre et jeter. Vous le savez, hein, maintenant ils font un petit peu tout, ils font de la photo, ils font de l'internet, ils font de l'email, ils font de la musique, ils font
c'est une difficulté pour les adultes, parce que nous avons conservé l'idée de la photo unique. Si je prends une photo de l'assistance avec mon téléphone portable et que je l'envoie à un ami, en une heure, il peut être partout. Et surtout, il peut être sur des téléphones, mais il peut être sur Internet. Les sociologues sont unanimes à dire que ces objets-là servent pour des familles, notamment des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, à maintenir l'idée que leur enfant ne sera pas exclu du système. Ça va, ça vous a plu? Oui. Ouais. Vous vous levez, vous vous promenez dans la salle de jeu. On peut aller jouer. Thank you.